Eh bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live. Yo, bonjour à la rediffusion YouTube au best-of de YouTube. Alors oui, c'est normal, il écrit Five Nights at Freddy's 8 dans le chat. Je ne suis pas complètement fou non plus, on a sauté un épisode, j'ai sauté l'épisode 7. On le garde pour un petit peu plus tard parce qu'il va me prendre du temps. On s'attaque aujourd'hui à Help Wanted, Five Nights at Freddy's 8, qui était à la base un jeu, je précise parce que tout le monde va me dire, je comprends pas, il est en VR normalement. C'est un jeu qui est à la base en VR, mais il a été aussi fait en version clavier-souris. Je suis physiquement quelqu'un qui ne supporte pas la VR, donc je vais jouer en clavier-souris. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout résumé. Ça va ou quoi là? Ce jeu, en fait, comme vous pouvez le constater, on a Bonnie, Freddy et Chica à l'ancienne. En fait, on va se retaper un petit peu le gameplay de Five Nights 1, du 2, du 3 et du 4, mais sous une version un petit peu en vue FPS, en fait on était déjà en vue FPS mais avec la caméra qui suit le mouvement de la tête et tout ça et la souris qui va cliquer directement sur des trucs. Bref, à voir. Au moins j'aime bien parce que moi ça va me replonger un petit peu dans cette nostalgie des premiers épisodes de Five Nights que j'aime bien. Bienvenue dans l'expérience virtuelle Freddy Fazbear. Nous savons que Fazbear Entertainment a développé une mauvaise réputation au cours des dernières décennies. Et bien qu'il est vrai que certaines histoires associées à notre nom étaient vaguement basées sur des événements réels, la majorité d'entre elles était une création sortie de l'esprit d'un lunatique fini. Salut, c'est toi. Mais on peut toujours rire de nous-mêmes. C'est rigolo. C'est pourquoi nous avons recréé beaucoup de ces scénarios complètement fictifs, mensonges, que vous avez été nourris ces dernières années. Dans un jeu en VR hilarant, dans l'espoir que nous pourrions enfin laisser derrière nous ces histoires de fantômes enfantines et développer une nouvelle relation avec vous ainsi qu'avec vos enfants. N'oubliez pas la marchandise parfaite pour les anniversaires. Alors, asseyez-vous et profitez de quelques frayeurs. On va passer un très très bon moment ensemble ce soir, ça va être drôlement bien. Et donc ça se présente comme ça, regardez, Five Nights 1, nous avons la nuit 1 et j'imagine 2, 3 et 4. Nous avons Five Nights 2, donc exactement pareil. Five Nights 3, donc j'imagine encore une fois exactement pareil. Non pas du tout, les pièces sombres, ça c'est le mini-jeu plus trap. Pièces et entretien. Alors ça, j'avais vu ça, mais il y a longtemps sur YouTube. En gros, tu démontes des animatroniques, tu les remontes et tout. Ça me plairait bien de faire ça. Réparation de la ventilation. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et pour finir, terreur nocturne. On dirait... Alors ça, on dirait que c'est la chambre dans Five Nights 4. Mais pourtant, c'est le Freddy qu'on a dans Sister Location. Donc ça, il va y avoir des petits secrets, des petits mystères. Je vous laisse regarder un petit peu, étudier l'endroit où nous sommes. Regardez, nous sommes dans... Oh, une petite pizzeria. J'ai eu le temps de regarder. Ça me fait penser à l'endroit où il y a Foxy. Et ça, derrière nous, le grand rideau rose, ça me fait penser à l'estrade où il y a Bonnie, Freddy et Chica. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la pizzeria de l'épisode 1. Et ça, j'ai déjà cliqué dessus et j'ai remarqué que ça faisait quelque chose de spécial. Ça nous emmène dans un autre endroit. Et en fait, ça débloque des nouveaux mini-jeux. Tu vois, par exemple, il y a une nouvelle nuit pour Five Nights 1. Deux nuits spéciales pour Five Nights 2, une spéciale pour la 3, 4 spéciales pour la sombre, 4 pour la pièce et entretien, et 2 spéciales pour la réparation de la ventilation, mais nous n'en sommes pas encore là, nous allons voir ça bien plus tard. Let's go, on va commencer avec Five Nights 1, survivre jusqu'à 6 heures. Je m'en serais pas douté, tiens. Bonjour, le nez, très important le nez, le ventilo. Tiens, le ventilo, je vais l'allumer de mon côté pour être plus dans le roleplay. On a les portes à gauche, on a la lumière. On peut regarder derrière, pour toutes celles et ceux qui se demandaient ça ressemble à quoi Five Nights derrière nous. Là, il y a un truc qui brille. Le truc a bugué. Je jette. Non, ça y est toujours, ok, c'est cool. La batterie, 87 déjà, vous êtes sérieux? C'est chaud. Là, une pièce. Il est 1h du mat, Bonnie... Ah, Bonnie a bougé. Je crois que je peux bouger avec le clavier, j'avais vu ça, oui. Où es-tu, petit Bonnie? Oh, mais ce qui va vite! Va super vite, le Bonnie! Chica est toujours là. Oh oh. Wow! Eh, hey, bonsoir! Ça va? 3h du mat, on est bien? Ok, il y a la lumière de Bonnie. C'était bien Bonnie. Oui, je reconnais sa petite oreille. Il est plus là? Ok. Oh oh. Oh wow, 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 wow. Mais en fait, on les entend vachement quand ils arrivent. Mais c'est bizarre! On les voit bouger! Ça casse un truc! Ok. Waouh! En VR, ça doit faire tellement peur. Oh putain, Foxy! Attends, mais Foxy, à la nuit 1 aussi, on s'occupe de lui? Ok. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que je m'y connais pas bien dans la création des jeux. Et j'ai vraiment l'impression que Help Wanted, il est vraiment... Pourquoi le 6, il est pas bien aligné? Il est vraiment complètement à part de... tous les autres Five Nights, je le sens, il y a de la différence, comme je l'ai dit, le jeu est un peu mal codé, au début, il y a des trucs qui vont sembler bizarres, donc c'est un jeu officiel, mais
Je sais pas si c'est un vrai jeu officiel ou si c'est plus un produit dérivé, vous voyez ce que je veux dire? C'est trop mignon. Je peux le manger? Ça se tient, oui, ok, pourquoi pas. C'est parti pour la nuit numéro 2. Foxy est là, donc tant qu'il est là, ça va. Dès qu'il est plus là, ça sera un petit peu plus compliqué. Chica est toujours là. C'est... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais genre, il se balade comme ça, tranquillement. Ok, Foxy toujours là. Toi, t'es revenu là, donc logiquement, t'es pas là, ok. Et là... J'entends quelqu'un qui marche. Au revoir. Wow, 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 wow. Foxy toujours pas là. Ok, il y a quelqu'un là. Très bien. Foxy, il est bizarre, c'est quoi ce bras? Jusque la nuit numéro 2, calmez-vous. Donc Bonnie, je l'ai vu. Oh oh. Ok. Non mais il y en a des cons hein, sur Terre, il y en a des débiles sur Terre. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris d'ouvrir la porte en sachant... Non mais je comprends pas. J'ai voulu mettre la lumière pour voir si on voyait Foxy à travers la fenêtre, juste pour le la beauté du geste en fait. Mais je suis débile. Mais je suis débile. Mais qu'est-ce que le machin, dans ma tête, il faisait à ce... Désolé. En tout cas, ça va, il a pas fait trop peur le jumpscare. Waouh, les deux, vous êtes sûr que c'est très légal ça? Je vérifie Foxy parce que si je le fais pas souvent, après il va peut-être m'attaquer lui-même. Waouh, fou là là. Ok, Bonnie il est là. Ok, je vois les deux. Mais attends, c'est Freddy qui a commencé à bouger? Ah, oh, Freddy, il a commencé à bouger! Oh non! Je suis mort! Bon, je me tâte à laisser la porte... Freddy, il faut regarder les caméras, c'est ça, pour l'empêcher de bouger? Attends, Freddy, il faut juste que je le retrouve. Ah, Freddy, il est là! C'est ses yeux, ah oui, je me rappelle, c'était chiant. Ok, j'économise un petit peu de batterie. Tant que je le garde à la caméra, c'est bon. Il viendra pas, normalement. Ça va? J'ai quand même peur de pas le faire bien, mais ça va. Bon, nuit numéro 3, nous venons de perdre Chica. Si je les entends marcher à côté de moi, j'ai juste à utiliser les caméras pour Foxy et pour Freddy. Oui, non, on entend du bruit quand même. Wouhou! Oh, il est dans la cuisine. C'est Freddy ça là-bas? Merde, il s'est déplacé le con. Il s'est vraiment déplacé? Mais comment il fait? Attends, je me souviens plus comment on fait alors, hein, Freddy. Excuse-moi Freddy, je sais plus comment on fait pour t'éviter. Mais je vais garder la porte de gauche fermée, je pense que je peux me le permettre. Et si je la laisse fermée, il repart en arrière peut-être. Le show quand même, 9% non? La prochaine nuit, je la réussirai pas. Oh, mais il est là, lui. Il était là avant. Glitch trap. Putain, ils se sont pas foulés. C'est quoi, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un hologramme. Go. Bon, allez. Allô, Foxy. Oui, c'est Foxy. En gros, Foxy, on le garde à la caméra tout le temps, tant qu'on n'a pas entendu le premier rire de Freddy. Mais gros, j'ai pas, je peux pas la couper la caméra, ça me... Non, déjà. Mais non, pas déjà. 3h du mat, 57%. Ça devrait le faire. Il s'est déplacé. Il est maintenant ici, je crois. Je le vois, ses petits yeux, là. Je vais pas y arriver à cause de Freddy qui va me saouler. Après, je vais peut-être pas le regarder aussi, pour qu'il bouge. Pour l'inciter encore plus à bouger. Mais je veux juste entendre un rire, s'il te plaît, Freddy. Sois cool. Ah. Ah mais maintenant il a ma porte.
Yes! Attends, qu'est-ce que... Attends, mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est dans la dernière caméra en bas à droite, je suis peut-être pas encore obligé de fermer la porte. Et c'est dès que je réentends le dernier rire que là, vite, faut que je ferme la porte, peut-être. Oh putain. Oh ouais, je passe un bon moment. Il faut qu'il rigole. Oh mais ça passe tellement vite. Ça me rappelait un peu le premier Five Nights at Wario où tu peux ouvrir, fermer la porte pour voir s'il est juste derrière, tu fais clac 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 clac. Mais ça c'est très bizarre ça par contre. Bonsoir, j'adore, hein, je passe un très bon moment, bonne ambiance, tout ça. Nous avons terminé, mais est-ce que nous aurions pas débloqué un petit peu la nuit secrète du Five Nights 1? Oui. Ah mais c'est la nuit 5. Ah mais je fou là là, mais prout prout prout, là j'ai pas très très... Eh, il fait peur lui. Oh mais il est extrêmement méchant. Pourquoi je sens que ça va beaucoup 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 trop vite. Je ne fais rien. Je dois arrêter moi-même la porte qui bug. Mais non. Il y a un truc dans le jeu qui me consomme l'électricité. Je suis choqué. Arrête. Arrête. Rire. Le mec il a dit rire. J'ai envie d'essayer d'ouvrir. Mais non, Freddy, il a pas re-rigolé depuis tout à l'heure, Freddy. Il est toujours là. Hein. Il est là, il attend. En vrai, je pense que je peux tenir avec la porte fermée à ma gauche. À ma droite, pardon. Ok, j'ai cru que j'allais devoir fermer. Mais d'où? À ma caméra, il était là. Tu te fous de ma gueule? C'est une blague? À ma caméra, il était là. Et en plus, j'ai entendu courir, j'ai failli fermer la porte. C'est une blague. Oui, je m'énerve, mais bien sûr que je m'énerve, il était à ma caméra. C'est pas du jeu, il est pété ton jeu, c'est de la merde. J'ai toujours dit, moi je déteste Five Nights, j'ai jamais voulu jouer à ce jeu en plus. J'arrête de jouer. Je te jure, c'est trop frustrant. Il a la caméra et il m'attaque, pourquoi? Five Nights 2, let's go. On va rigoler. Bonjour. Oh. Je suis le Batman. Une lumière là. Les lumières là, donc ça c'est pour Foxy. Ah, et la boîte. C'est où la musique? C'est vrai qu'il y a un concept de... Ah ouais. J'ai complètement oublié la boîte à musique. Appuie sur le bouton rouge, ne fait rien. Hein. Regardez. Oh. Ah oui, d'accord, ça me le dit de suite qu'il arrive en face de moi. Mais pourquoi ça s'allume en face de moi? Je l'ai pas demandé. Ah si, j'ai demandé à ce que ce soit toujours allumé, peut-être. Mais du coup, je l'ai toujours allumé en face pour Foxy. Et moi, je regarde là. Ah yes! Je suis très content de vous voir parmi nous. En fait, j'ai eu peur parce que j'ai appuyé une fois sur espace, je me suis dit je vais garder le masque, mais en fait non, faut le laisser enfoncer en fait. Yes. Tiens, toi aussi tu as soif peut-être. Allez. Ah merde, pardon, je te le renvoie si tu veux. Tiens, vas-y, prends-le. Mets-toi bien. Ah, mais on a même pas besoin de la lumière, on te voit direct. Quel plaisir, bonsoir. Ça, dès que je vois que t'es là, regarde, je tente un truc. Ah ouais, ok. Ça voulait dire que t'étais déjà dans la salle en fait. Eh, stylé les modèles 3D comme ça. J'entends du bruit, ça fait un peu peur. Hein. Waouh! Ok, bah en fait j'ai juste à faire ça. Un peu comme dans le Five Nights classique. Oh, j'entends Balloon Boy! Il est bien relou ce gamin. À part la boîte à musique, les caméras ne me servent à rien dans ce jeu si je me rappelle bien. Ah, j'entends le high du petit. Ça va toi? Oh oh. Waouh! C'était bizarre ça. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai fait avec Foxy. Putain, on va l'entendre longtemps cette petite musique là. Oh, Freddy, ça marche. Ah! Voilà, il s'enfuit. Donc ce qui est bien avec le gamin, c'est qu'il prévient vraiment très fort qu'il est là. Il fait hi! Et du coup, je peux mettre le masque direct.
ça aussi. Ouais, faut juste que je regarde tout le temps, en fait, partout, tout le temps. Freddy, je sais plus quoi faire avec lui. Non, il faut attendre qu'il soit dans la salle, je crois. Oh, mon gueule. Bon, ça va, là, pour l'instant, je crois. Ah, Foxy, vite. Foxy, il faut bien lui mettre la lumière tout le temps dessus, c'est ça. La lumière, allô. Ok. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh, 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 oh. Je mets le masque. Ça va, toi? En fait, faut attendre qu'ils rentrent dans la salle, les animatroniques, pour les bloquer. Franchement, ça va. Ok. Ok, ok. Il est toujours là, lui, hein. Coucou. Coucou. C'est sûr que ça doit être ultra dur en VR, je dois l'admettre. Mais en version PC, c'est très simple. Alors, nous avons fait les 4 nuits, c'est ça, de Five Nights 2. Allons voir. Oui, la nuit 5. Oh, et il y aura... la nuit 6, peut-être. Ah ouais, c'est comme en noir et blanc, c'est trop stylé, ça. Allez, il faut s'accrocher, hein. Va falloir tout réussir du premier coup. Parce que là, si on réussit tout, on n'aura pas pris un seul jumpscare. Hein. C'est assez joli, les couleurs comme ça, ça fait une ambiance assez... bah, assez horreur, quoi. Allez, disparaît, s'il te plaît. Disparaît. Oh, Foxy, t'es sérieux? Ah! C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les conduits. Premier jumpscare de Five Nights 2, félicitations! Allô? Ok. C'est transformé en boîte de nuit, c'est clair! Quoi? Où? Où? Quand? Ah, ok, d'accord. Putain! J'avais regardé pourtant. Le gamin? Casse-toi, le gamin! Tu es malade ou quoi? Oh, 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 quoi, 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 y'a Foxy. Y'a Foxy quelque part? Ah non, c'est qu'il y a lui! Oh là là, vous mélangez les bruits, vous êtes fous, quoi! Waouh, 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 waouh! Foxy, Foxy, Foxy. Y'a Foxy. C'est bon, il est parti. Vite, vite. Ok, ok, ok. Je savais qu'il y en avait un des deux côtés qui allait pas tarder à arriver. Y'a Mangle! Putain. Dès que je rentre le gamin. Ok. Casse-toi le gamin. Mets la lumière sur mon gueule. Et mon gueule pas. Il est trop drôle. Ouais, j'étais sûr que quelqu'un allait arriver tôt ou tard. Vite la lumière. La lumière. Ouah, mais j'ai chaud. Non, en vrai, ça va, ça va. Ça va. Allons voir la nuit numéro 6 maintenant. Le flétri. Salut à tous, bienvenue au flétri. Bon, déjà, on est toujours au même endroit. Les lumières sont pas exactement les mêmes. On a un peu perdu le côté bleuté, j'ai l'impression. Ah, j'entends le gamin qui dit hello. Donc, non, il y a toujours tous les personnages. Parce que je me suis dit, à tout moment, il y a un nightmare ou quoi qui est là, tu vois. Je sens que ça va m'arriver d'un coup. Il est 2h du mat, on a vu personne. C'est ça le côté facile du jeu, c'est que il n'y a personne. Ah oh, tiens, on t'avait pas vu jusque là, toi. C'est justement, je parlais de toi. Bonnie sans visage. Toi, tu m'as bien fait chier dans Five Nights 2, je me rappelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester devant comme ça, oui, comme dans le jeu normal, très bien. Ok, Foxy est là. Ok, le gamin est à gauche. Oh, 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 la lumière. Ok, là peut-être. Non. Ok. J'attends que tu rentres dans ma salle pour te bloquer. Mais il y a tout le monde là, il y a Freddy, il y a Bonnie, il y a toute la clique. Bon, 3h du mat, ça va. Oh, il est là. Est-ce que j'étais assez rapide? Oh, poulala! Ça marche! Ce poulala qui était pas du tout viril. Oh, attends, Freddy normal? Ah oui, il y a Freddy normal, c'est vrai. Je me rappelle. Je m'en souviens. Ça me dit quelque chose. Mais ils sont tous les deux dans la même place! C'est bizarre, non? Toi, j'attends que tu rentres dans la salle. Tu vibres. Regarde, t'as un message, tu feras gaffe. Il peut pas être qu'il doit être tellement bloqué. Oh, ok, il rentre. Ah, flippant quand même. Ah, ok, bonjour. Faut que je t'aie à l'œil, toi. Ok, Foxy. Je te garde à l'œil. Et j'attends que le gamin passe à gauche. Oh putain! Oh putain! Tu sors d'où, toi?
Ok, toi tu pars. Foxy, vite. Ok. Ok, personne là, personne là. Y'a plus Foxy. Ça devrait le faire. Five Nights at Freddy's 3. Oh putain, Five Nights at Freddy's 3. Attendez, je mange un bonbon. Ah, ça va mieux. Je crois que c'était le plus dur. Je crois que c'est celui qui m'a demandé le plus de fil à retordre. C'est toujours aussi stylé, j'adore. Il y a les masques, il y a la salle. Il y a le mec qui parle. Ouais, il y a l'ouverture juste là. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a une cassette. Hé, hey, j'ai pas trouvé la cassette dans Five Nights 2. Je viens d'y penser. Faut que j'aille la rechercher. Ah, ça c'est des conduits d'aération. Et logiquement, lui il arrive. Il arrive là, mais je la reconnais pas cette salle. Ok, mais ça je peux le laisser allumer. J'ai pas de batterie, hein, d'accord. Hein. Je crois qu'à la nuit numéro 1, il apparaissait pas le mec. Hein. Oh, il me fait peur celui-là. Je crois qu'il me fait un peu peur, il me stresse. Je vais me démerder pour le bloquer là tout le temps. Ah, il est là. Ah, en fait, je change de caméra en regardant comme ça, ok. J'espère qu'il est pas comme Foxy en mode je le vois à la caméra, mais il est bugué, tu vois ce que je veux dire. Bon, je l'ai appelé, il est censé venir, non? Oh, mais il est... Mais, excusez-moi, mais il est presque... Ah, c'est ça, ok, les screamers. Il est presque mignon, non? Oh, oh là là, je l'ai vu. Attends, parce qu'il y a Foxy, faut pas que je le regarde, Foxy. Je l'ai vu dans le conduit d'aération, mais ah oui, mais c'était bloqué. Putain, j'aime bien la tête qu'il a. Regardez, il y a Foxy à gauche, faut surtout pas que je le regarde. En vrai, il est un peu plus joli que dans l'épisode de base. Ok. Donc là, normalement, il va revenir ici. Waouh, Foxy à gauche. Quand t'es en VR, ça doit faire trop bizarre. Allez. Ah, ça, c'est pour dire qu'il repart. Ok. Il faut changer de caméra. Oh, on le voit dans le fond, j'avais pas capté ça. Non. Ok. Quand il est là-bas. Oh, mais ça c'est comme ça dans le jeu de base aussi, c'est stylé je trouve. Donc là il vient là. Hello. Je le rappelle, et j'ai une erreur d'audio, c'est pas bien grave. Bon, cette nuit va être assez simple. Repart, c'est trop bien de pouvoir le regarder partir parce que... En fait, ce qui va être hyper facile dans ce jeu, c'est que dans le jeu de base, ce qui était chiant, c'est que il fallait connaître l'emplacement précis de là où il était, dans l'angle et tout, tu voyais pas bien. Là, vu que tu le vois te déplacer, si tu follow toutes les caméras une par une et que tu les auscultes, j'ai envie de dire, tu vas aller voir le déplacement et tu trouveras plus facilement où est-ce qu'il est caché en fait. Donc je pense que, ouais, encore une fois, l'opus est beaucoup plus facile dans ce jeu-là. Toute la game, faut qu'on le bloque là-haut. Il est déjà là, par contre, ça fait peur. Il faut que je bloque, c'est vrai. C'est bloqué. C'est ultra stylé de le voir faire ça, par contre. Je trouve que c'est vraiment ultra stylé. De voir se déplacer comme ça. Il a une belle gueule, quand même. Oh, putain, je voulais aller cliquer sur le nez de Freddy, mais... Mais pardonnez-moi, mais il est complètement pété votre jeu ou ça se passe comment? Ah, c'est une hallucination peut-être? Attends, il y avait une histoire comme quoi on avait des hallucinations et qu'on voyait le mec à la caméra mais qu'il était pas là. C'était quoi cette histoire déjà? Pendant la ventilation, mais j'avais pas de problème de ventilation à ce moment-là. Mais tu sais quoi, je vais rester toujours sur cette caméra. C'est celle qui me donne le plus d'informations. Au moins je sais s'il va dans le conduit. Oh, ouais, non, j'aime pas ça du tout. Vite, je vois rien. Je sais pas où je clique. J'aime pas la ventilation. Donc c'est bon. Putain, ma lettre E qui ne marche plus. C'était pas E en fait. C'était un autre bouton que j'utilisais pour faire le vocal peut-être. Il repart. Il est là, ok. Donc il revient là. Comment j'ai fait pour perdre la première nuit de la nuit 4? Comment c'est... Parce que là c'était très simple. Coucou. Seulement une nuit 5. Ça se tente. Putain, on dirait que tout va cramer. On dirait que la température est hyper élevée, regardez. Il y a des... Comme des vagues de chaleur. Waouh! C'est ultra stylé. Hop, 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 là.
Je crois que je l'ai vu. Ok. Mais j'ai bloqué donc ça va. Non mais non, tu peux pas être à deux endroits différents. C'est pas une hallucination quand même. Ah si, c'est une hallucination. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Mais il est dans le conduit. Il est dans le conduit. Je tente un truc. J'ai voulu changer de caméra. Je vous avais dit que je pouvais pas le changer de caméra. Trop chiant. Tellement. Oh, il est tellement dans ce conduit, j'ai tellement de la chance. Waouh. J'ai vraiment cru qu'il était dans l'autre conduit là, le 9. Oh putain, et j'ai de la chance. Il arrête pas d'aller dans le conduit qui est toujours fermé. Donc là, il revient. Et c'est le bon. Ok, yes. Putain, on a du bol. Le conduit est toujours fermé. Là-dessus, pas de problème. C'est plutôt correct. Tant que je vois ses petits pieds. Je vois plus ses petits pieds. Attention. J'ai pas réussi, écoutez. J'ai même dit attention, tu vois, je l'ai anticipé, mais j'ai pas réussi. À 5h du mat, elle voulait pas passer à 6h, genre maintenant. Merci. Oh, stylé! C'est la première fois qu'on voit que le 6h il a un peu changé. C'est pour faire apparaître un petit peu les pseudos. Faites-vous de la pub, regardez, vous passez sur YouTube. Faites-vous de la pub un petit peu, profitez-en. Pièce sombre, Plouchtrap. J'y arrivais bien dans le jeu, mais là, je sais pas. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va être très rapide. À chaque fois que je vais mourir, on va recommencer assez vite. Mais je l'ai vu en train de tomber, normalement c'est pas comme ça. Je le vois se remettre sur la chaise, et pas je le filme pas en train de tomber. Ah, c'est ça le bruit que j'entends, le petit... Mais c'est cool, génial. Génial. Nous sommes partis pour... Alors du coup, c'est toujours le même jeu qu'on va faire. Oh, on le fait avec Balloon Boy maintenant. Mais ça, c'était dans la version, dans le DLC Halloween de Five Nights 4. Il fait grave peur, mon dieu. Il est effrayant. Oh, hello. Prochain coup. Oh, il est grand. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Plush. Plush, une peluche de baby. Oh, cool. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la batterie. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh mon dieu, ça fait. Je connais pas, du coup ça me fait peur. Mais c'est trop bien, c'est un magasin de peluches trop stylé. Quoi? Oh! Oui? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois te focus, j'imagine. Je dois trouver toutes les petites peluches de baby, c'est ça? C'est stylé! C'est cool. Et chaque fois qu'elle parle, c'est-à-dire qu'elle est là quelque part. Elle prend la place d'une peluche qui existait déjà, je crois. Oh quoi? Je comprends pas! Je comprends pas! Quoi? Mais pourquoi? Ah, dès qu'elle parle, faut que je mette la lumière. Si j'éteins la lumière, je meurs direct. Mais y'en a une là! Ah, mais elles sont tellement camouflées, j'avais pas capté. Là! Attends, mais il y en avait une en bas là où j'ai pas rêvé? J'ai plus de batterie. Ou je vais mourir encore 2-3 fois, je pense, pour m'habituer au jeu, à mon avis. Où t'es? Y'a un cadeau? Balek? Ah, mais c'est parce que j'ai plus de batterie, je crois. Mais j'étais focus par le cadeau. Elle m'a tendu un piège aussi là avec son cadeau. Mais j'entends de ces bruits. Ah putain! Il y a une trappe au-dessus de ma tête! Oh! Il va falloir le refaire en mode beaucoup plus dur maintenant. Oh, Fun Time Foxy de Sister Location. Traverser la salle. Ah oui, merci. Ok.
Funtime Foxy s'active lorsqu'il détecte... Oh putain, pas. Il est important de garder la pièce plongée dans l'obscurité pour ne pas l'activer accidentellement. Vous avez reçu un fanal clignotant. Utilisez-la si vous avez besoin. Ah mais oui, c'est la traversée de la salle normale. Sauf que c'est ultra éclairé de fou. Et dès que je vois Foxy, je m'arrête de bouger. Là, je m'arrête de bouger. Mais t'es sérieux? Mais dans Sister Location, c'était ça. Tu t'arrêtais de bouger, c'était bon. Apparemment, faut flash le moins possible. Ça me fait rire, j'arrête pas de flash et je meurs pas. Pas loin quand même. Oh waouh. Oh merde, je sais pas où elle est. C'est fini? Ah, c'est fini. T'es long, mais court, mec. J'ai vraiment fait du moonwalk à la fin. Ça a marché. En fait, je l'ai contourné et j'ai reculé. Un petit jumpscare dans le cadeau, peut-être. Yes. Super. T'étais pas derrière l'encadrement de la porte avant, toi? Je sais plus. Bref. Ça va? Et la petite peluche. Ah, attendez. Et attendez, il y a un œil. Oh, je le sens pas. Ça, c'est pas un bouton qui reset le jeu par hasard des fois? Oh putain, faut refaire tous les jeux, mais dans une version un peu plus hardcore. Rien n'a changé sur les lumières. Oh, c'est très éclairé par contre. Mon halo de lumière est beaucoup plus petit. Mais c'est ultra éclairé, enfin ça brille et tout, c'était pas comme ça tout à l'heure. Donc Balloon Boy, c'est quoi le... Très bien, c'est rigolo, ça change rien mais ok, pourquoi pas. Il est tombé de sa chaise, attention, il s'est fait mal. Merci à toutes les personnes qui ont sub ce soir, c'est cool. Pourquoi j'entends Balloon Boy version enfant? Hello. Ok, prochaine étape, c'est bon. Oh putain, y'a un ballon devant moi. Y'a un putain de ballon devant moi. Mais je suis mort! Ça se joue à l'aveugle! Cool. Non! Je veux pas le refaire, ça! Je ne veux pas! Merci, mais non merci! C'est une putain de plaisanterie. Mais non! C'est trop bien! Il y en a partout! Du coup, impossible de savoir laquelle est laquelle! Il faut que je les fixe! Mais non! Il y en a une quelque part. Et je la vois pas. Ah, elle est là! Ah, mais ça me rend fou comment c'est trop bien à la fois c'est trop dur! Bah, se demander s'il y en a vraiment sur les. Oh 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 o
Est-ce qu'il peut vraiment y en avoir sur les étagères en fait avec les autres? Je sais pas. Faut reconnaître que c'est quand même ultra stylé. Encore deux crans de batterie. Oh putain. Ok, t'es où putain de merde. Je te vois pas. Oh putain, je te vois pas. Ah, je l'ai pas vu. Je sais pas où elle était. Non. Putain, 4 secondes, c'est chaud quand même. Et je vais encore mourir encore une fois parce que je sais pas. Elle est là. Ok, batterie. Je sais pas si c'est elle qui parlait. Batterie. Oh putain, la batterie. Ça se joue à la seconde à chaque fois. Oh. Donc Funtime Foxy en version hardcore. On va rigoler. Oh merde. Bouge-toi. C'est quoi le délire? C'est qu'il n'y a pas de lumière. Il est où le vrai Foxy, c'est ça? Ah, c'est un Foxy orange, stylé. Il y a même un Freddy, j'ai vu. Fantastique. Moi, j'ai cru vraiment que c'était tous les animatroniques qui allaient bouger en même temps. Je me suis dit, c'est mort. Là, franchement, ça peut le faire. Je la vois plus, j'ai gagné ou... Ah. J'ai réussi du premier coup. Putain, du premier coup. Impressionnant. Et la suite c'est maintenant avec les pièces et entretien. Coucou. Coucou. Et t'es comme ma casquette, on voit à travers. Coucou, ça va? Effectue des réparations. D'accord. Bon retour, c'est faux, c'est ma première fois. On dirait que la guitare de Bonnie est désaccordée et doit être recalibrée. Tout d'abord, nous devons accéder à son module d'harmonisation situé à l'intérieur du tuyau secondaire de sa gorge. Pour accéder au tube de la gorge, il faut d'abord retirer les deux yeux. Vous devez être aussi précis que possible quand vous retirez les yeux de leur orbite respective. Tout d'abord, saisissez fermement l'œil gauche de Bonnie et retirez-le délicatement de son orbite. Mais sa gauche à lui ou sa gauche à moi, putain. J'allais dire un truc. En fait, c'est les réparations comme on faisait dans Sister Location, en fait. Alors, on va dire que c'est son gauche à lui. Très bien, c'était sa gauche à lui du coup. Bon boulot. Déposez l'œil gauche dans le récipient de nettoyage à votre gauche. Bien joué. Maintenant, saisissez fermement l'œil droit de Bonnie et retirez-le délicatement de l'orbite. Déposez l'œil droit dans le récipient de votre nettoyage à votre droite. Bien joué. Pour ouvrir la plaque frontale de Bonnie, appuyez délicatement sur les deux boutons situés de chaque côté de sa mâchoire. When done correctly, si c'est fait correctement, vous devriez entendre deux cliquetis. Well done. Oh, vous avez désormais accès au module d'harmonisation de Bonnie. Appuyez sur le bouton clignotant à l'intérieur du tube secondaire de Bonnie pour passer en mode d'étalonnage. C'est celui-là qui clignote. Hein. Quelque chose ne tourne pas rond. L'une de ces notes sonne fausse. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton pour rejouer la vérification audio. Appuyez sur le bouton coloré correspondant à la note incorrecte. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? T'es fou? Bah, c'est soit la bleue, soit la orange, puisqu'elle est en fond, mais moi j'y connais rien. Y'a rien qui vibre là. Tink. Ben je dirais là. Imaginons qu'il tienne sa guitare comme ça. Son pouce va toucher la bleue en première. Ça va faire comme ça. Donc je dirais que c'est la orange. Appuyez à nouveau sur le bouton clignotant pour vérifier votre travail.
Je sais pas si c'est bon. Bon boulot. Bonnie est accordé et prêt. J'y connais rien en guitare, moi. Reformons-le. Replacez simplement les deux yeux dans l'ordre dans lequel vous les avez enlevés, puis refermez la plaque frontale. Dans l'ordre que vous les avez enlevés. Ça veut tout dire et rien dire. J'ai commencé par celui de droite, puis celui de gauche. Mais est-ce que je remets en premier le gauche? Non, dans l'ordre où vous les avez enlevés. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est normal, ça? Oh oh. Oh oh. Qu'est-ce qui, pourquoi? Pourquoi l'œil s'est mis à l'envers? Ah non! Et lui, je le mets à gauche! Ah mais oui! Et lui, je le mets à droite! Ah mais oui! C'est vrai! Oh le con! Bien joué, ainsi s'achève votre tâche pour pièces et entretien. À la prochaine! J'aurais pu jouer de sa guitare, j'ai l'impression. On va aller opérer Steven. C'est rigolo les petits jeux comme ça, j'aime bien. Bon retour à pièces et entretien. Elle a de la pizza. C'est quoi? Ils sont pleins de l'odeur acre de Chica. On dirait que Chica a encore fouillé dans la cuisine. Enlevez toutes les particules de nourriture de l'extérieur de Chica et placez-les dans la poubelle sur votre droite. Ça fait peur, hein. De les avoir aussi proches. Bon boulot. Assurez-vous que Chica ne cache pas d'autres friandises dans son clapet. Oh non, on dirait que Chica a ramené des amis non désirés. Pour éliminer l'infestation, appliquez le vaporisateur chimique de classe restaurant sur l'extérieur de Chica. Appuyez sur le bouton situé sous le réservoir suspendu pour activer le vaporisateur. Bon, déjà, je récupère ça. Attends. Le bouton. Ah, mais c'est horrible. Mais il est où le vaporisateur? Oh non. Oh non, j'ai pas compris. En haut à gauche. Ah c'est ça. Évitez d'inhaler le vaporisateur chimique. L'exposition aux produits chimiques de nettoyage, de désinfectation et d'entretien pour entraîner des problèmes respiratoires ainsi qu'une irritation de la peau ou des yeux. Bon boulot, maintenant, rattachez le bras. Ok. Bien joué. Oh non, on dirait que Chica a besoin d'une autre dose de vaporisateur climatique. Ne laissez pas l'infestation se propager. Assurez-vous d'appuyer à nouveau sur le bouton si besoin. J'imagine que je dois tourner la tête pour pas renifler. Ah, le gâteau s'est enfui. Bon boulot, Chica est prête à retourner servir des pizzas et faire des câlins aux enfants. Prenez une tranche de pizza gratuite. Ah, ça c'est gentil par contre, j'adore la pizza. Délicieux. À la prochaine. Je meurs bêtement, mais j'adore ces mini-jeux de réparation des animatroniques. Je sais pas pourquoi, je trouve ça trop cool. Voulez-vous entendre une histoire amusante? Une des équipes de développement précédentes a commis une erreur hilarante qui peut ou non avoir entraîné l'introduction d'une anomalie indésirable dans le code du jeu. Bon retour à pièces et entre... Il a bouffé un gamin! On dirait que l'un de nos invités a laissé un objet personnel sur notre attraction vedette. Rendons ça aux objets trouvés. Attrapez délicatement le chapeau de l'enfant et retirez-le de la bouche de Freddy. Beau travail, maintenant placez le chapeau dans la boîte des objets trouvés sur votre droite. C'est une poubelle. Pendant qu'on y est, assurons-nous qu'il n'y ait rien d'autre coincé à l'intérieur. Pour accéder à la cavité thoracique de Freddy, attrapez le nœud papillon de Freddy et tirez-le vers l'extérieur. Ah d'accord. Bien joué, la cavité thoracique de Freddy est maintenant ouverte. Retirez la moindre et placez-la dans la boîte à objets. Prenez garde à ne pas toucher les fils sensibles de Freddy. Ah. Il y a autre chose. Oui, il y a une chaussure. Au travail, il semble qu'il y ait une chaussure d'enfant coincée derrière la boîte à musique de Freddy. La boîte à musique a été retirée avant que vous puissiez accéder à la chaussure de l'enfant. Saisissez doucement la boîte à musique et retirez-la de la cavité thoracique de Freddy avant que le loquet de sécurité ne descende. Placez précisément la boîte à musique sur la table à gauche. Ah, bon boulot, pour essayer le loquet de sécurité, appuyez sur le bouton situé sur le l'endosquelette de Freddy. Maintenant, retirez la chaussure de l'enfant et placez-la dans la boîte à objets trouvés. Bien joué, remettez la boîte à musique dans la cavité thoracique de Freddy et restons-en là pour aujourd'hui.
Oh non, on dirait que vous avez mal manipulé la boîte à musique de Freddy. J'ai pas fait exprès. Ce n'est pas bon. Un substitut se trouve peut-être sur la table de travail. Crise évitée. Pour fermer la cavité thoracique de Freddy, appuyez sur le grand bouton noir au centre de son visage. Tu parles de son nez ? Voilà qui met fin à votre contribution à pièce à entretien. Votre salaire vous sera retenu en conséquence. J'ai même pas regardé s'il y avait une pièce quelque part. Je m'en régale, c'est trop bien. Il a tellement mangé le gosse, mais bien sûr, chaussures, casquette et montre. Évidemment qu'il a mangé le gosse. Oh yeah, Foxy, ça va être trop cool. Bon retour à pièce et entretien. Foxy est hors de service depuis un certain temps. Cette série de réparations simples devrait le remettre en parfait état de marche. Tout d'abord, ramassez soigneusement la tête de Foxy et placez-la sur son endosquelette. Oh. Oh non, on dirait que les cerveaux moteurs propriétaires de Foxy sont défectueux. Il est recommandé de garder un œil sur Foxy en tout temps. Vous devrez placer de nouveaux fusibles de commande dans les récipients exposés. Récupérez le fusible du tiroir 1 correspondant. Pour éviter toute blessure corporelle, attendez que les jambes de Foxy s'immobilisent avant d'insérer. Ah mais je sais pas du tout lequel prendre moi en fait. Ah d'accord, ok, je vois. Rouge, vert, rouge. Ok, rouge, vert, rouge, j'imagine c'est celui-là. Jeter ? Mais non, on va pas jeter. Oui mais comment je le place ? Oui, je dois toucher ça, c'est bien. Ça l'a pas mis. Pourquoi il a pas été mis ? Mais qu'est-ce que quoi ? La cassette vide. Je m'en fous, j'ai eu la cassette. Ça me va. Il a précisé. Moi, il a dit quoi sur les jambes ? Je crois qu'il avait dit attendez que les jambes ne bougent plus. Récupérer le fusible du tiroir 1 correspondant au réceptacle de la jambe de Foxy. Ok, autant pour moi. Donc c'est rouge et rien au milieu. Donc c'est celui-là. Là. Bon boulot. Foxy a retrouvé le contrôle de ses jambes. Un petit rappel, il est recommandé de garder un œil sur Foxy de temps en temps. Ouais, ben je te regarde. Oh non, on dirait qu'un ancien employé a tenté de réparer le moteur de la poitrine de Foxy en utilisant le mauvais fusible. Retirez soigneusement le mauvais fusible de la poitrine de Foxy et insérez-le dans le récipient du bas... Non, du haut de son bras. Bien joué. Les fusibles de poitrine restants se trouvent dans les tiroirs 2 et 4. Bleu, bleu, vert, bleu, bleu. Il est là. Ça va, Foxy ? Je t'ai à l'œil, hein. Good job. Retrieve Foxy's eye from drawer number 3. When Foxy's eye patch is fully open, je regarde un peu comment ça marche. Place the eye back into his eye socket. Il est quand même longtemps ouvert là. Well done. Bien joué. Ceci met un terme à tout. Oh, j'étais vraiment à la fin. La baie des pirates peut maintenant être réouverte. La baie des pirates. Trop stylé. Oh, ça va être bien. Je suis content qu'il y ait 4 autres parce que je les aime beaucoup ces jeux. Bon retour à pièces et entretien. Oh non, on dirait que la guitare de Bonnie est désaccordée et doit être recalibrée. Ah mais c'est exactement le même mode. Il faut d'abord retirer les deux yeux. Ah mais c'est exactement pareil. Ah ouais, c'est tout pareil. J'ai peur d'aller trop vite. You now have access to Bonnie's harmonica. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the blinking button again to verify your work. Great job. Bonnie is in tune. Okay, and je sais plus comment on fait les yeux. Let's close him up. Simply replace. Remplacez simplement les yeux dans l'ordre dans lequel vous avez pris. J'ai pris celui-là en premier. Close up the faceplate. We'll call it a day. Oh merde. Ah oui, et je dois appuyer là. Well done. Bien joué. That concludes your parts and services task. See you next time. À bientôt. Ah si c'est refaire les mêmes jeux, ça va être assez rapide. Dommage. En tout cas, je me le tente d'un coup. Genre les pizzas et tout là direct. Welcome back to parts and service. There ah are customer complaints about Chica's ah mais c'est smell. Ah j'ai vomi 7 fois dans ma bouche. Ça ouvre. Oh mon dieu, quelle horreur. Du coup j'appuie là. J'évite d'inhaler. Rattachez le bras. Et le gâteau qui fait peur. Oh non.
Oh, il est plus efficace, quoi. Ah si, il marche, ok. J'ai cru qu'il marchait plus. Merde. Il est où? Le cupcake, là. Beau boulot, Chica est prête à retourner servir des pizzas et faire des câlins aux enfants. Ah, c'est horrible ça, mon dieu. Prenez une tranche de pizza gratuite. Oh, elle brille la pizza. Tiens, je vais prendre celle-là cette fois. Welcome back to Parts and Service. It looks like one of our guests left a personal item on our staff attraction. Oh, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Return it to the lost and found. Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another firm tug. Il faut que je les garde à l'œil ou quoi? C'est bon. Non. Arrêtez. Remettez la boîte à musique. C'était celle-ci, mais elle va tomber, j'imagine, parce que lol. Oh no. You seem to have mishandled Freddy's music box. This is not good. Crisis averted. To close Freddy's chest cavity, press the... That concludes your time in parts. Yeah, oh, the music box. Your pay will be docked accordingly. Stylé. C'était grave stylé de fou. C'était trop bien. Et il se rapproche de fou, là par contre. J'arrive. Coucou, je suis le boss final du jeu. Je suis bientôt là. Tu vas voir, ça va bien se passer. Welcome back to parts and c'est comme dans Five Nights 3, il y a le feu. Ah, c'est vraiment stylé. Well done. Bien joué. Réparation de la ventilation. C'est parti quand même là. En fait, tant que j'écoute bien ce que me dit de faire le gars, ça va. T'aimes le jeu au final? Oui, j'aime beaucoup le jeu au final. Bon, il y a un truc là à tourner, il y a un bouton qui clignote, il y a un truc là, je vais appuyer sur le bouton. Bienvenue à réparation de ventilation. Fazbear Entertainment est fier d'avoir les installations les plus confortables. Chaque installation est réglée à un parfait 72 degrés tout le temps. Les 4 voyants lumineux actifs signifient que le système de ventilation fonctionne bien. Votre lampe frontale devrait vous protéger contre des créatures qui pourraient être tombées dans le conduit. En tant que technicien en ventilation certifié, vous n'avez pas d'instruction. Cependant, en cas d'urgence, il est important de se rappeler qu'en tant que technicien, vous ne devriez tenter sous aucune circonstance. Ah yes! Ah, je passe un bon moment. Le menu. Qu'est-ce que c'est le menu? Mais... Qu'est-ce que je dois faire? Ah, le bouton là-bas. Ah, je dois aller... Ok. Le reste est pas ouvert, on est d'accord. Ok. Je comprends pas. Ah! Je rebouche ça, d'accord. Ah, y'a que mon gueule qui veut m'attraper, d'accord. Le menu. Je crois que c'est un bug graphique. C'est le menu. Bonjour. Hop. C'est trop stylé. Je suis ce que le jeu me dit de faire et j'adore ça. Le menu. Oh oh. Jaune, vert, rouge, bleu. Jaune, vert, rouge, bleu. Oh 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 oh. C'est trop bien, c'est trop stylé, je sais pas ce que je fais. Un parfait 72 degrés, bon boulot, à la prochaine. Je me suis régalé, c'était trop bien. Oh, j'adore ça. J'étais full concentré sur le plaisir que m'apportait le jeu en vérité. Enard ? Ah, oh. Parce que ma gueule encore ça va, mais Enard c'est vraiment pas mon animatronique préféré. Surtout qu'il m'a bien fait rager dans Five Nights 5. Bienvenue à Circus Baby Entertainment et Rental. Il s'est écoulé 0 jours depuis le dernier incendie, j'imagine c'est pour skipper ça. Des réparations d'urgence de la ventilation pourraient bien être nécessaires pour atteindre la chaufferie du sous-sol G. Nous nous excusons pour la... Oh, bon ben au revoir. Mais le confort de l'ascenseur principal est bien au-delà de nos moyens. Maintenant, au boulot. Donc ce qui prouve bien que Sister Location se passait bien dans un sous-sol. Oh, j'adore cette musique. Nuit numéro 1.
Trop stylé! C'est du fan service, mais j'adore! Je suis client. Motion trigger. Déclencheur de mouvement. Salle de pause. Je dois trouver le bon. Je dois appuyer sur la lumière rouge, j'imagine. Et maintenant celui-là. Je vois pas mon curseur par contre. Et maintenant celui-là. Et j'imagine le dernier celui-là. Merci de pas mettre de sous-titres, c'est cool. Mais j'imagine que well done, ça veut dire bien joué. On refait la même. Le circuit là, tic 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 tic, c'est celui-là. Le circuit là-haut, tic 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 tic, c'est celui-là. Le circuit là, tic 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 tic, c'est celui-là. Well done. Well done. Ferme la porte avant qu'il arrive, quand même. Oh oh. Oh. Ah putain sa mère. Alors tac 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 tac. Donc celui à droite. Là pas besoin. Faut que je fasse vite. Celui-là. Il va là. Il va là. Il va là. Eh ça s'est annulé. Je me souviens plus moi ce que c'était là. Attends quoi. Ah non ça s'est pas annulé en fait. Putain, il fait giga peur. Ah mais ça, c'est que je me suis trompé peut-être. Well done. Je me suis peut-être trompé en fait. Et on va plus bas dans le sol. Oh, numéro 2. En VR, vous avez raison, en VR, celui-là, il doit être incroyable. Quand tu passes ta tête comme ça, tu dois regarder. Là, il y avait une pièce. J'ai pas eu la pièce, tant pis. Là, ah mais non, c'est pas des pièces, en fait, j'ai de la merde. Si, il y a une pièce, là. Gâchette de mouvement, puits d'aération. Il y a des trucs partout, là, je comprends pas. Bon, là, il y a une pièce. Je la mets là. Ok, ça active ça, c'est bien. Oh, ça me donne une autre pièce. Une pièce plus grande. Que je dois mettre là. Vous êtes là, vous? Ça va? On passe un bon moment? Je dois trouver d'autres pièces à d'autres endroits. Ah, oh putain, je comprends pas où est-ce qu'elles sont les autres pièces. Ah, peut-être que je récupère celle-là. Je comprends. Je comprends. Ok, autant pour moi. Et maintenant, je peux la récupérer, celle-là? Toujours pas? Trop bien. Y en a pas une quelque part que je peux voler? Il me stresse, le hénard, là. Vous la voyez, vous? Je veux prendre le temps pour regarder le chat un peu. Putain. Mais comment? Il faut une troisième pièce, je sais pas où elle est. Et voilà. Et donc, on est bloqué. Ah! Ah! J'étais bête. J'étais très con. C'était très simple. Ok. Non. Merde, il faut que je récupère la... Je suis débile. Ah, bonsoir. On est pas cons, nous. Oh putain, il est là. Well done. Well done. On redescend. Et c'est reparti. Putain, c'est long. Ah, ça marche. Oh, waouh. Je vous demande bien ce... Je comprends déjà rien. Il y avait 1, 2, 1, 2. Et là, j'ai pas vu ce qu'il y avait. 1, 2, 3. Mon dieu. J'imagine cliquer sur 3. Oh putain, je comprends pas. Ah d'accord, ok. Well done. T'es là-bas, toi. Et le 4, on l'utilise pas. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. En fait, le vert, c'est le début du gaz qui apparaît et il faut faire un circuit, je crois. Donc là, le début du gaz, il est dans le 1. C'est vert. Et... Oh, oh. Oh mon dieu, ça, oh, mon dieu, ça va être chiant. C'est ça. Le 1, le 1, le 1. Well done. Wouh. Well done. Là, il n'y a qu'un bouton. Bah, c'est très bien. Qu'est-ce que... Oui. Well done. Bien joué, un parfait 72 degrés. À la prochaine. Quoi, on a brûlé Hénard? J'ai pas compris.
Hey, oh, la musique, vous la coupez pas comme ça. C'était trop bien. Dites-moi qu'il y a un truc, genre on le refait mais en mode plus dur. Ah oui, on va le refaire en mode plus dur. Oh, ça me va. Ça marche. Allez. Ah ouais. Oh, il y a tout qui s'ouvre. Rouge, orange, bleu, vert. Oh, ça fait peur. Rouge, orange, merde, je comprends pas. Rouge, orange, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le rouge? Ah merde. Il fait giga peur, le monstre qui arrive en face, par contre. Hein. Je l'ai jamais vu dans Five Nights. Hein. Waouh, ça fait trop peur. Mais attends, ça, je l'ai pas ouvert, ça, encore. Il fallait pas l'ouvrir, ça. Oh! Excellent. Non, mais il y a un truc à faire, là. Ah oui, j'avais oublié. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Un parfait 72 degrés, bon boulot à la prochaine. Ah non. Oh, c'est des nouveaux. Il est là. Il est là. Il est là. Well done. Well done. Oh mon dieu, le flip. Ok. Ok. Et lui. Well done. Bye bye. Oh, mais c'est. C'est Glitch Trap ou c'est Spring Trap? Il reviendra plus tard. Allez, allez, on se revoit demain. Alors là, il faut que je rentre. Il est où le rouge? Il est là. Tac, 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 tac. Donc c'est celui-là. Ensuite, celui-là là-bas. Ok, c'est celui-là. Ensuite, celui-là. Celui-là. Clic et clic. Well done. Well done. Y'a pas une pièce? On ne saura jamais. Désolé d'aller aussi vite parce que je me dis il faut se dépêcher. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps de tout regarder, je vous promets. Il dure combien de temps le DLC d'Halloween? Oh, t'es là toi. Parce que s'il est rapide à faire, on peut le faire ce soir. S'il prend beaucoup beaucoup de temps, je le ferai peut-être une autre fois dans un prochain live. Genre en live spécial DLC Halloween. Oh putain, la classe. Il y a un Freddy, un Freddy géant en or. Oh oh. Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Je te vois, Enard, je te vois, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je t'ai vu. Oh, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, je te vois. Alors, on avait dit qu'on le mettait là. Non, pas faux. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure, c'est incroyable. Lui, je le mets là. Le petit, dépêche-toi avant qu'il arrive, je le mets là. Et le grand, well done. Je le mets là. Well done. Il y a du Freddy derrière, il y a plein de trucs partout. J'aime trop. Oh là là, j'aime trop cette ambiance. Il y a des trucs cachés partout. En VR, mais vous rendez compte que ce jeu est en VR à la base? Avec un gros casque VR sur ta tête, tu cours partout, tu regardes partout et tout. Mais ton cerveau il explose quand tu joues à ce jeu vraiment avec un vrai casque. Well done. Well done. 72 degrees. See you next time. À la prochaine. En vert, mon gars, ça! En vert! Mais crise cardiaque, tu meurs! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons, malheureusement, à la dernière partie du jeu, qui est les terreurs nocturnes. Et ça, je vous avoue que ça me hype. Parce que c'est quand même le Five Nights 4, que j'ai beaucoup apprécié, Five Nights 4. Je me demande comment ça va être en mode vert. Et surtout que, pourquoi il y a le Freddy de Sister Location? Téléporter, oui, c'est pour se déplacer en vert, j'imagine. Donc j'appuie sur espace. Oh là là, lampe torche. Ah, il y a des trucs qui disparaissent. Donc j'ai les... Oh oh oh, ça court là. Ça court. Je peux pas aller là-bas? Ok. Donc espace pour me déplacer. Et j'écoute. Ah merde. Mais pourquoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est Enard. Ah non, c'est pas Enard du tout. Attends, mais il y a des mecs là comme ça. Je peux pas revenir au milieu de la salle?
Et les Freddy, ils vont venir là ou pas, les petits Freddy? Ah! Oh là, là y'a quelqu'un. J'essaie de mettre la lampe torche. Je sais pas s'il faut le faire ou si c'est du bonus, ça, par contre. Mais tant qu'il est là-bas... Ah, et... Oh, waouh! Ouais, ça m'a surpris, j'avoue. Putain. Ok, il est là. On a même pas les heures, s'il te plaît, pour savoir combien de temps on survit, en fait. Mais arrête! Tu fais trop peur! Ah, il faut juste refermer la porte, ok. Il parle tellement fort que j'entends pas. Mais c'est trop une bonne idée d'avoir mélangé Five Nights 4 et le 5. Par contre, y a pas Foxy. Night Marion. Marionnette, tu veux dire? Y'a peut-être pas la place. Voilà, profitez bien. Ah bah attends, c'est ouvert là. Autant aller... Je peux pas aller la fermer. Je peux pas y aller. Qui fait cette musique? Waouh. Wow. Ouais, attends, parce que là on joue pas au même jeu en fait, il y a des trucs qui sortent du plafond. On joue pas du tout au même jeu là. Mais comment on fait pour le battre lui? Comment on fait pour le battre lui déjà? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et genre, je dois... C'est pas la lumière sur lui, hein. Non, il faut fermer la porte, je crois. Et dès qu'il parle, ça veut dire qu'il est parti. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui? Faut attendre qu'il se rapproche un peu. Il fait trop flipper. Et dès qu'il parle, il se casse, c'est ça. Là, normalement, je tiens la porte fermée. Hein. Va-t'en! Va-t'en! Ah! T'es fou, quoi? Donc, il est parti, là, ok. Et donc, il porte de l'autre côté. Mais c'est terriblement effrayant. Mais ça revient automatiquement? Ok, il arrive. Oh, le stress de rien connaître et de pas savoir. Oh mon dieu, c'était trop bien. Oh non. Pas baby. C'est celle qui me fait le plus peur du jeu. Ah, oh, je suis dans le placard de la... Oui. Allô, la porte? Ah, c'est le clic droit en fait qu'il fallait fermer. Et si je reste ici trop longtemps? Ces poupées m'attaquent. Tiens, prends ça par contre. Ah, d'accord. Ah, je croyais que la porte fermée, ça gardait la sécurité. Ah ouais, d'accord. Alors, en gros... Non, mais c'est une mécanique intéressante. En gros, faut garder la porte le plus longtemps possible ouverte. Et quand on la ferme, c'est pour se protéger. Mais les poupées à l'intérieur vont... avoir envie de m'attaquer si je garde la porte fermée trop longtemps. C'est dès qu'elle va me regarder. Oh, ok. Dès qu'elle va tourner la tête vers moi, je crois que c'est ça. Et là, je me cache. Ah merde, j'allais dire dès qu'elle parle, c'est que c'est bon. Quel flip, mais quel flip. C'est bruitage, je te jure. Allez, 5 heures, allez. Where are you? Dans ton cul. Je me demande bien quel mini-jeu parmi les 3 qu'on a fait déjà, ils vont...
Pourquoi il y a eu le bruit de je me fais capturer? Je me demande bien quel mini-jeu ils vont mettre en version cauchemar là, vous savez. Oh, Nightmare Fried Beer. Ah oui, c'est vrai qu'il peut arriver là. Ah, il peut arriver là aussi. Ah, je l'ai fait partir. Donc normalement c'est on slalom droite gauche et quand j'entends le rire, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Si je me rappelle bien. Non, il y a personne là. Bon d'accord, il y a pas de problème, tue-moi, vas-y. Je sais pas où il est. Oh, il est là. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mais... Vous l'avez vu, vous aussi? Je vois plus tes yeux, rien. Ah, t'es là, ok. Oh non, il a rigolé. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur? Ah oui, oh putain, oui. Ah mais t'es sérieux, j'ai pas le temps d'arriver. Oh non. Je le vois pas sur lui. Ah mais téléporte-toi, voyons. Ah mais non, la commode, faut pas mettre la lumière, faut fermer la porte. J'ai souvenir qu'à l'intérieur de la chambre c'était... Ok, ça me revient. Ah, ok. Oh, 5 heures, cool. Allez, passe à 6. Yes. Yes, yes, yes. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour débloquer le dernier, tu dois faire la nuit de Five Nights 1. Non. Je fais des obstacles. Comme ça, ils auront du mal à pour venir. Non, 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 non. Tais-toi. Putain, j'ai tellement peur qu'il arrive. Il va y avoir un moment... Où je vais fermer la porte tout le temps en fait. Pour Foxy, trop peur qu'il me nique le jeu. Oh, ça descend trop vite les deux portes. Oh non, ça va trop vite. Dès que j'entends courir là, mais je vais vite fermer. Oh le bâtard! Oh le bâtard de Foxy, il a essayé de m'avoir! ! 9%. Et il était à la caméra! Et il était là à la caméra! Le jeu, si tu dois passer à 6h du matin, mon copain, crois-moi que c'est un petit peu maintenant! Ah non! De cul, j'avoue, oui, c'est vrai. Pizza party. Ne soyez pas en retard. J'ai un peu peur parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Trouve-moi. Est-ce que tu me crois? Et je me téléporte, je comprends pas. C'est trop... C'est à la fois trop bien, trop flippant. Oh, ça, je sais pas. Elle est où la flèche? Il y a une flèche là-bas? This way. Ok, donc je vais là-bas. Je crois. Ce chemin. Parce que je peux prendre d'autres portes en plus. Pas ici. Oh là là, mais c'est trop bien. Donc apparemment, j'avais pas pris le bon chemin en allant là. Alors allons là-bas. Mais on revient là. Ah, mais c'est un giga labyrinthe. Oh, mais ça me plaît. Est-ce que tu es perdu? Un peu, oui. Là, pour le coup, oui. Oh, Foxy. Exit. Ouf.
Comment te dire que j'y crois pas beaucoup, tiens. Oh putain. Ah, c'est quand on électrocute les animatroniques. Danger. Oh là là. Oh là là, c'est trop bien. Merde. Je reviens là. Et là, celle de droite, je l'ai jamais prise, je crois. Ah oui, tiens. Oh putain. Oh putain, il y en a une là, il y en a une là. Bah écoutez, j'ai une chance sur 4. Ok, je me suis trompé. Dépêche-toi avant que la musique s'arrête. Oh, oh, c'est nouveau ça. Oh, waouh. Pepperoni, cheese. Oh, cheese de ouf. C'est trop bon le fromage. Oh, c'est ouvert. C'est nouveau ça. Ok. Putain, y a différents conduits. Ah, hors service, ok. Et maintenant, celle de tout à gauche. Il faut que je retourne dans ce conduit d'aération. Comme disait Saven, il faut suivre le conduit. Il y a rien d'autre à côté. Trop stylé. Oh, trop stylé. Oh non, beaucoup moins stylé ça. Je suis con. Wow. Mesdames, messieurs, garçons et filles, Fazbear Entertainment aimerait que vous applaudissiez le seul, l'unique, Freddy Fazbear. Oh! C'est tellement dérangeant comme ambiance. Mais c'est qui? C'est qui ce gars là? Mais c'est trop bien. Au début c'était une hallucination, maintenant c'est un vrai personnage. Et on n'a pas l'impression que c'est un animatronique, on dirait que c'est un humain à l'intérieur quand même. Félicitations pour avoir terminé l'expérience virtuelle de Freddy Fazbear. Vous avez fait un travail incroyable. Vous vous demandez peut-être si vous avez raté quelque chose ou s'il y a encore quelque chose à voir. Alors croyez-moi sur parole, vous n'avez rien raté et il n'y a plus rien à voir. Au revoir pour l'instant et on se retrouve dans l'allée des jouets. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care now. Merci YouTube d'avoir regardé ce best-of, j'espère qu'il t'a plu. Alors, je te préviens, la rediffusion complète, elle existe sur ma chaîne secondaire Farod Live. Elle dure 6h30, presque 7h. Tu peux aller la regarder, mais tu te doutes bien que j'ai pas tout mis dans le best-of. Donc du coup, il y a plein de choses, des moments très longs, certes, mais beaucoup de choses de blabla où ça raconte l'histoire. Si tu veux en savoir plus, va regarder la rediffusion. Oh, ils sont gentils, te disent au revoir, trop cool. En tout cas, j'espère que ce best-of t'aura plu, et je te dis à la prochaine. Au revoir YouTube, à bientôt, je te fais des bisous. Bye bye. Regarde, t'as vu, je te vois pas. Non, tu vois, je cherche, je te vois pas. Voilà, c'est pas possible.